Voilà famille bien ou bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Zola et Kobalade ne lâchent pas l'affaire. Après le flop, franchement, voire la laisse en retour de leur lead single, de leur futur album qui sera la semaine prochaine, ils ont dit, on va mettre la seconde, voire la cinquième même, parce que l'album sort dans peu de temps. Bref, en tout cas, ils dévoilent le nouveau single, c'est Temps en temps. Au niveau des choix de titres, honnêtement, je m'attendais à mieux. Bref, et si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez surtout pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre à fond des likes, je compte sur vous, et d'activer la cloche pour ne rater aucune future review. Et si vous êtes chaud, c'est maintenant. Bref, famille, en fait, on va pas passer par quatre chemins, j'attends pas le clip. On débute l'écoute du son maintenant. On va voir si les paroles sont dispo. M'appelle à plus 100, tu vas skier les problèmes. Big Fat va dire tourner ta veste. Donc ça sera plus pareil, donc ça sera plus pareil. Quelquefois je me sens baisé. On se lève tôt, on se couche trop tard. La thématique elle est intéressante. En fait, il s'attaque à des gens. Mais pour cette thématique là, j'attends un autre type de contenu. Pas un son où ça chante. C'est un son où ça kick. Après, en dehors de tout ça, au niveau de la mélodie, franchement, ce serait un chanteur pop. J'aurais dit, ah, je kiffe la petite vibe et tout. Allez, c'est pas grave, second single. Vu le flop du premier, ils se sont dit, c'est qu'on va faire la facilité. Je peux comprendre. C'est pour ça que je vais pas les descendre maintenant. On entend vraiment la toute fin. Je le répète une nouvelle fois, je pense que le public, quand ils ont vu Zola et Koba de manière ironique, ils reviennent sur leur passé où ils s'entendaient pas. Là, je capte pas, ça parle de meufs, ça parle d'argent, ça parle de je sais pas, je déteste les gens. Les gars, déjà, rien que dans vos projets perso, ça on sait déjà. Vous le répétez mille fois, à longueur de temps, longueur d'année, tout le temps. Nous, votre duo là, on l'attend sur autre chose. Je sais pas, je me trompe pas. Parce qu'après, dans les commentaires, on va me dire, ouais, mais tu les aimes pas. Hein. En dehors du fait de pas les écouter, de pas artistiquement les apprécier. Je suis quelqu'un qui est ouvert à tout, je suis quelqu'un qui redécouvre à chaque fois les artistes. Je peux même ne pas les aimer là, et je peux peut-être les aimer sur un autre projet, tu vois. Mais là, honnêtement, je m'attendais à autre chose que ce genre de thématique superficielle, et même ce genre d'approche musicale superficielle. Peut-être que dans le contenu de l'album, il y aura ce que j'attends. J'aime bien la partie de Zola. Plus de charisme dans la voix. Au moins ici, il fait pas le ricain à deux balles, tu vois. Je vais pas mentir, j'avoue je kiffe le refrain, mais le refrain est très pop, voire trop pop pour deux rappeurs de leur catégorie. Je répète une nouvelle fois, ce genre de son, je l'écoute quand j'écoute du Usher ou un artiste américain pop. J'attends pas ça de deux rappeurs français, putain. Bref, après je conçois, je le redis une nouvelle fois, qu'ils attendent, c'est un peu la déchéance d'aujourd'hui. Pour sortir un album, il faut toujours un tube avant, ça se capte pas. Avant, t'avais pas besoin d'avoir un gros tube pour sortir, à part pour les artistes pop. Dans le milieu du rap, t'avais pas besoin. En fait, t'avais besoin juste de l'aval du public rap pour sortir ton projet. Genre, si le public rap apprécie le lead single, même s'il fait pas des chiffres faramineux ou même des chiffres de mauvais chiffres, même si c'est un flop, tant que la stricte crédibilité était présente, tu pouvais sortir ton projet. Parce que ça annonçait de beaux chiffres pour l'album. Le public rap de base n'achète pas les singles, n'écoute pas les singles. Le public rap, en soi, est là pour les projets. Allez, je vais finir sur une note positive, je vais le répéter une nouvelle fois, j'aime bien le refrain. J'attends, comme je l'ai dit une nouvelle fois, un retour, une ironie ou du sérieux sur leur bif. Donc voilà, famille, une petite review, elle était très très courte hein, de temps en temps, de Koba et Zola. Donnez-moi tous vos avis, argumentez, s'il vous plaît, dans la barre des commentaires juste en bas. N'oubliez surtout pas comme de vous abonner, de mettre des likes à fond et d'activer la cloche pour ne rater aucune future review. Et comme d'hab, il y a d'autres vidéos disponibles par ici, kiffez, mettez des likes et nous on se dit à la prochaine. Allez, salut.